Viens mon vieux Dédé, viens. Tu te souviens que je te fais pas de câlin si tu manges pas, toi? Bon, il commence à manger, c'est déjà pas mal. Bonjour ma fille. Oh. Ava, moi je m'occupe exclusivement des chiens. Alors, ça m'arrive de temps en temps d'aller faire un petit tour chez les chats, mais je travaille vraiment en permanence que avec les chiens. Alors, une journée de type à Ava, c'est rendez-vous 8h30 au bureau. Travail quotidien, maison, bureau. On s'occupe des petits vieux qui sont logés dans le bureau et la maison. À 9h, on a le brief et après on part chacun sur nos pôles, on fait nos tours, on fait un petit tour général des chiens, voir s'il n'y a pas eu de problème dans la nuit. Après, on se rejoint en pièce refuge pour préparer nos gamelles et puis après, on part en Kubota et nourrir tout le refuge jusqu'à midi. Du coup, pour les biglettes en éparpillés, on leur met combien? C'est pas marqué sur la feuille. 2 gobelets. Ok, merci. Oui, ma fufu. C'est bien, bonhomme. Depuis l'après-midi, c'est sorti. Ce qui me plaît le plus, c'est que j'ai l'impression de travailler en faisant quelque chose d'utile avec les animaux. Le fait de ne pas travailler tout le temps avec des humains, ça me plaît parce que les animaux ici, ils mentent pas, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de mensonges, les animaux ils sont toujours vrais avec nous. Et ça fait du bien. T'évites de trop solliciter pour le moment. Tu ne touches pas, tu ne te dis pas, enfin voilà. Et puis de toute façon, on va voir ce qu'il dit et moi je te guide en temps réel. Ok, ça va. Roule. C'est parti. Voilà mon petit Max. Voilà, petit bonhomme. Quand on commence à connaître comment on communique un chien, c'est du coup pas difficile d'éviter les accidents avec eux. Il y a plein d'accidents chez les gens qui auraient pu être évités parce qu'en fait le chien il en avait marre, ça faisait un quart d'heure qu'il était en train de te le dire, mais les gens ne le savent pas.